par rapport à ce qui se passe. J'étais en 1964 à New York, c'est le début du spectacle. C'est-à-dire qu'on commençait à envahir le métro à New York, etc. Alors, ma vision à l'époque, c'était que c'était vraiment quelque chose de féminin. Mais je me suis intéressé. Je me mettais à la première galerie de spectacle, c'était mode face et modèle, et j'avais reçu deux fois panneaux, comme ça, à 50 dollars, 100 dollars, des panneaux de spectacle et de faire par l'autre. Mais ce que je leur reprochais, en tant que mon analyse à moi, c'était tout simplement des gens qui avaient besoin de signes. De tisser sur un territoire. Vous avez un ego. Donc, ça va venir là, en ce qui est fondamental, la chose la plus fondamentale pour un art, c'est l'ego. L'ego, partout. L'ego, c'est un grand, l'ego, c'est moi, l'ego, c'est votre pensée, l'ego, c'est des rêves, et l'ego, c'est ce genre-là qui doit exister, qui donne une bombe et qui va engager le nom de signature. Et ça, ça me ramène à une autre chose, c'est qu'il n'y a pas d'art sans signature dedans. Si vous avez stop croire derrière et une forme de dire regardez-moi ce que je fais, moi je vais l'ouvrir, moi je vais cela. Au moins ces gens-là, ils sont simples, ils ont comme la signature. Mais parmi eux, il y a des gens comme Bastia. Et Bastia, parmi eux, et puis dans la rue, il y avait toutes des phrases extraordinaires. Et il y avait un type qui s'appelait René Fils qui photographiait des phrases de Bastia au nom de six. Art de Bastia, comme un excellent, c'est-à-dire intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de personnel, de vivant, de vrai qui arrive. Mais c'est tous les autres qu'on voit sur le métro et tout ça, c'est une forme esthétisante, mais c'est vraiment, il ne faut pas dire lui de manière que c'est là, lui de manière que c'est là, lui de manière que c'est là. Je ne sais pas où est la personnalité là-dedans. Elle va apparaître petit à petit, mais ça est difficile à discerner. Alors, en tant que gouvernement qui vote, passer de tout sur le spectacle, dans lequel une personnalité doit sortir, il y en a encore. En France, il y a une qui doit être mystique. J'adore mystique. Pardonnez-moi. Je vais demander à parler d'abord à qui je dis que le pouvoir actuellement est légalement dans la deux constitutions. Les Français, ils ont l'AFA qui est concerné maintenant en culture de France. Alors, les Français décident d'envoyer 10 annotations au Japon. Également, les Français sont envoyés belges au Japon. Les autres disent non, c'est pour l'avenir, on a des politiques culturelles. Ils sont exactement, avant on envoyait les marines de la Caméléon, maintenant on envoie les artistes. Et les Américains, le temps de dire que la CIA était derrière le papa. Mais c'est pas vrai. C'est juste un livre de Frédéric Martel qui, justement, montre la différence qui existe entre la manière dont la culture est soutenue en France et aux États-Unis. Mais Jérôme Bavillard. Je ne sais pas si on pose la question au bon endroit, mais ce n'est pas par rapport à ce que je dis, c'est plutôt par rapport finalement au terrain historique où on se situe, je trouve que c'est trop historique, on parle beaucoup d'art moderne et de la peinture, etc. Je fais des choses qui sont totalement questionnables d'aujourd'hui. Est-ce que l'on veut ne pas autour, par exemple, du jeu vidéo, une énorme industrie qui est en train de dépasser le cinéma, en termes industriels, économiques, mondiales, c'est là que les vrais enjeux, c'est là qu'il faut faire en sorte que des créateurs et des artistes rencontrent des technologies, des moyens et des publics. Voilà, je pense que là, il y a des choses très nouvelles et très essentielles qui sont en train de se passer et que c'est pas seulement par rapport à l'histoire de l'art moderne, finalement, que la question se pose. On a parlé de l'histoire. Qui répond à cette question? Donc là, il faut prendre les choses, encore une fois, différemment selon les secteurs, souvent on a affaire à des industries culturelles où la part du secteur privé serait très importante parce qu'il y a des profits, parce qu'il y a beaucoup de public, que ce soit le cinéma, le rock, d'autres différents. Donc la situation n'est pas du tout la même de celle des secteurs qui, traditionnellement en France, se sont vus aider systématiquement. Par les institutions culturelles, notamment depuis quelques générations, sans passer de la vie de l'État, parce qu'on a considéré qu'elles avaient une valeur intrinsèque
aussi justifier que l'État les aide au nom d'une valeur générale de culture, une valeur universelle et sereine. Et que c'est les expressions les plus intéressantes dans ce genre-là ne pouvaient pas trouver immédiatement place sur le marché, parce que j'étais justement trop innovante. En fait, c'est, je vois que c'est un peu caricatural, mais c'est un petit peu l'effet Van Gogh. Hein, c'est Van Gogh a été le moment critique où, où on s'est aperçu que les institutions de l'art pouvaient passer à côté d'un grand artiste. Et en même temps, par l'action, on s'est mis à faire des musées dans l'exposé des artistes vivants, à faire des affaires dans les musées pour ces artistes, etc. Même si dans les musées, on a considéré que l'État devait aider les musées les plus innovatrices, alors faire des musées femmes. En littérature, on a un seul livre qui donne des subventions pour les ouvrages qui sont considérés comme trop difficiles pour trouver immédiatement une rentabilité sur le marché. Donc, c'est une politique d'aide aux créations de qualité considérées comme trop pointues, trop spécialisées ou trop innovantes pour pouvoir trouver une place à court terme sur le marché. C'est une politique dont la France ressemble plutôt à la spécialité, avec quelques effets pervers liés à des pouvoir quelquefois mal contrôlé une problématique d'évoluer les intermédiaires. Cela étant dit, ça va être Marcel de montrer bien entendu, les États-Unis ont aussi toutes sortes de structures de subventions aux gens, simplement au lieu de dépendre de l'équivalent du ministère de la Culture, c'est également maintenant une grande ministère, elles, ces structures dépendent beaucoup des fondations privées, des fondations universitaires, etc. Ça va être un maillage très important par le mécénat qui permet là aussi d'aider des expressions artistiques considérées comme intéressantes. Pourquoi? Parce que le domaine de la culture est un domaine dont une grande partie, et notamment les parties les plus novatrices et souvent les plus intéressantes, ne sont pas. Ne trouve pas immédiatement la place sur le marché, tout simplement parce qu'un artiste qui produit en fonction d'un marché préexistant pour répondre à une demande qui est déjà là est considéré comme un artiste médiocre qui trouvera probablement un grand public à court terme, mais qui ne passera pas à la prospérité. Le monde de l'art est un monde lié à une économie très particulière, c'est une économie du long terme et c'est une économie de niche très spécialisée. Et du même coup, impliquant une intervention des pouvoirs publics considérée assez globalement comme nécessaire, même si encore une fois, au cas par cas, elle peut induire des effets quelquefois excessifs et néfastes. J'ajouterais ce qui concerne les musées, mademoiselle, que par exemple, on vient de nommer pour le musée de Los Angeles un personnage qui s'appelle Jeffrey Beck, qui est un grand marchand de tableaux américain. D'art contemporain, ce qui est totalement inenvisageable en France. Parce qu'en France, il n'y a pas de au musée, les conservateurs, ils ont fait des études de conservateurs, etc. Deuxième point, Beaubourg appartient au musée de la ville de Paris, soit à l'État, soit à la ville de Paris, le musée de la ville de New York appartient globalement à ses donateurs, même s'il appartient à la ville. Parce que les collections progressent par ses bonnes, par les nouvelles, par ses montagnes, etc. Et c'est pour les donateurs. Va donner son œuvre complète. Mais c'est vrai que le livre de Frédéric Marcel montre qu'il y a aux États-Unis une politique publique qu'on sous-estime en France, mais globalement la saisir, elle est quand même entre le mécénat et l'État. Question. Mademoiselle, je vous en prie. Ma question était la gaieté lyrique de Fenbach. On connaît la gaieté lyrique de Lorna, qu'on ne connaît pas encore. Ça tombe bien, il est là, il va en fond. Finalement, ça va toucher pas mal de choses qu'on a abordées. La question, par exemple, du majeur et du mineur. C'est quelque chose qu'on va absolument aborder, par exemple, à travers ce qu'on appelle certaines pratiques, certains arts numériques. C'est plutôt du monde graphique qui touche à l'industrie musicale, les vidéos clips, etc. Donc on va être sur ce terrain totalement, par exemple, pour vous donner un exemple. On va essayer d'avoir une approche thématique en essayant d'avoir justement une approche culturelle, mais non pas
ça fait des raisons par rapport aux sciences sociales. Donc, c'est ce que je disais au début, pour faire des liens entre les choses montrées, qu'il y a peut-être un phénomène d'époque aujourd'hui qui est en train de se passer. Et nous voulons être vraiment à l'exploration de cela. Donc, ce sera un lieu pluridisciplinaire, on ne sera sans doute pas d'opérette, mais un lieu pluridisciplinaire qui va plutôt interroger la question de la création aujourd'hui à l'ère du numérique. Voilà. Bah, si les artistes, non, il se trouve qu'à l'ère du numérique, moi je ne connais pas trop d'artistes d'aujourd'hui qui font de l'opérette. Et c'était l'opérette est plus du côté de la musique, de la musique pop, disons, pour moi aujourd'hui. Vous êtes satisfaite, madame, mademoiselle, par la réponse. Merci, c'est quand même, madame, pardonnez-moi. Elle se rend quand tu parles à cette éducation et qu'on l'assurance. La question, c'est que la révolution numérique, c'est centrale les différentes cultures, et permet de se transformer, de découvrir, quand tu dis le livre numérique, acheter les œuvres, acheter Google, Twitter, par exemple, vous avez une scolaire. Mais est-ce qu'au contraire, cette révolution numérique, qui informalise la culture, dans une systématique, c'est plutôt d'un point de vue à faire des façons un petit peu américaines. Là, je vais vous parler de Rome, je vais parler de jeux vidéo. J'ai envie de dire que nous, Nintendo, un programme, des vidéos, des photos, c'est un peu mon plus grand. Justement, c'est exactement pour ça qu'il faut y être, je pense. Parce qu'il y a des enjeux, des ennemis. Ce qui va faire la différence dans la vie, c'est justement la façon dont les créateurs, les artistes, vont pouvoir s'emparer de cela. Et s'introduire dans le circuit industriel et commercial, sachant que souvent les grandes industries ont besoin et auront de plus en plus besoin de singulariser, de se singulariser par rapport au mainstream. Donc je pense qu'il y a un enjeu important de singulariser. Voilà, je vous demande là que le deuxième livre de Thérèse Marcel, je vous en compte pas de lui, justement, après s'être intéressé au système de production américain puis européen, consiste justement à s'intéresser à la production. De la culture dominante et quoi faire d'autres cultures. Il y a deux questions que je voudrais poser de façon pensée, c'est la question de la beauté et la question du talent. Parce que bizarrement, par exemple, on connaît ça en France avec des livres comme celui de Alain Pinto. Voilà, bah, j'espère avoir une bonne réponse. Je ne sais pas si c'est un parce que tout ce qui est beau, par rapport à la création, la beauté doit être représentée par ce cocktail utilisé. C'est bien la lumière de tout est beau qui est rattrapée par la beauté. Et, il faut, la majorité rattrape la beauté après. C'est un christianisme bleu qui devient beau. La création bleue qui devient beau. Le nouveau réalisme bleu qui devient beau. Or, si c'est l'univers du domaine de l'intérieur, c'est bien beau, c'est vrai. Et voilà. Donc, le nouveau conte dit la beauté n'existe pas en lui-même. C'est tout ce qui est beau à partir du moment que je dis quand, par exemple, une bâtonnette du porte-bouteille qui est une urinoir qui est toujours derrière M. Dion-Dilan, donc si c'est une urinoir, dans une urinoir, et bien c'est une urinoir qui est la tête laide, normalement, c'est lui belle, c'est lui qui ouvre une porte, c'est le plus possiblement, le plus possiblement, et nous a mis dans la merde. Je vais signaler par exemple pour. Il y a eu toute la bataille de Nathalie à un moment avec Alain Pinto et le rap, parce qu'il y a quand même, j'ai raison, je vais faire, il y a quand même tout un mouvement culturel en France qui remet violemment en cause l'idée, les questions posées tout à l'heure, monsieur, que tout est beau, tous les talents sont équivalents, et que la culture démocratique va un jour avaler Chopin, Brahms et le reste. Ce débat existe dans le pays. J'ai une petite demande par rapport à ce que vous donnez sur le roman. C'est pas que c'est une idée du fait que du sang l'a proposé au Salon des Indépendants. C'est de vivre là, c'est très différent. Et la grande nouveauté de la contemporaine, c'est qu'il a en grande partie terminé l'impératif de beauté humaine, qui pourtant est un impératif très ancien, et profite d'une autre valeur qui est celle du sens et de la signification. Quand vous lisez aujourd'hui des critiques d'art contemporain, vous ne devriez jamais dire que telle installation, telle performance est belle. Vous devriez dire qu'elle interroge la signification contemporaine, qu'elle a telle signification, tel sens par rapport à l'histoire de l'art contemporain, etc.
critique de signification et de vie, une valeur absolument fondamentale en art contemporain, la valeur de beauté a perdu beaucoup, beaucoup de son pertinence, ce qui, évidemment, pose toutes sortes de problèmes aux très nombreuses personnes pour qui l'art reste synonyme de beauté. Je crois qu'il faut faire la différence entre donc la valeur en tant que telle et d'autre part, à l'intérieur de la valeur de beauté, le critère de valeur qui est change considérablement, on sait très bien que l'intérieur d'un impératif de beauté, c'est à plus considéré comme beau à une époque qui n'est plus à l'époque actuelle, le studio dans un pays n'est pas dans un autre pays. Bref, il y a une relativité des critères de la valeur de beauté, mais il y a aussi une relativité de la valeur de beauté en tant que valeur pertinente, à l'intérieur de l'ensemble des valeurs qui permettent de s'orienter dans une réalité de mieux comme ça, par exemple. On a été d'accord. Je voudrais dire simplement que c'est une des personnes que dans le domaine de l'art contemporain aujourd'hui, la question de l'avant-garde pour les producteurs aujourd'hui jeunes, dont parlait Nathalie, est assez dépassée parce que c'est vrai que depuis 10 ans, des choses qui sont allées un peu dans le même sens. D'aujourd'hui, les gens qui ont 30 ans dans le monde, il y en a qui font de la vidéo, d'autres qui font des choses qui sont liées à la musique et d'autres qui font de la peinture. Parce qu'aujourd'hui, ça s'est complètement éclaté. Il y a eu ce mouvement, qui est un mouvement qu'on pourrait appeler d'avant-garde, une sorte de progrès dont on ne connaît pas tellement le sens. Et aujourd'hui, vous prenez un voyage du monde entier, vous avez des gens qui font des installations, qui font de la musique, qui font de l'art minimal, qui font de la peinture, et qui font de la culture très traditionnelle. C'est un peu comme si l'époque avec le roman, ce qu'il y a dans l'art d'aujourd'hui, un aspect post-moderne, si vous voulez. Philippot ne fait pas du tout la même chose que Jean d'Ormesson, mais ce n'est pas non plus la même chose qu'un Rodriguez. Il est ailleurs. Question. Monsieur. En disant que les Américains pensent au business, dans le domaine de l'art et de la culture, parfois vrai, parfois vrai, mais par contre, quand on peut reprocher aux Français de vraiment la force du business et de s'orienter plutôt anti-business, je pose la question, est-ce que c'est une bonne attitude au crédibilité par la non-exportation de la France politique? Il me semble que c'est mieux. On ne veut pas, on refuse violemment de voir que l'art est aussi un business, que c'est plus un art positif, aussi de l'art est aussi un business, puis dans le sens, ça devient un art populaire, c'est tout ça. Non, je dirais que l'artiste, il s'en fout de l'argent, il aime la joie. Il aime la joie, alors, il y a eu un petit stand à un moment donné, il va exposer à New York, et ils étaient dans ce monde qui faisait toujours comme ça, et ils étaient, l'un disait alors, je sais qu'il a vendu un million de dollars, moi j'ai vendu un million de dollars, et là, il faisait un million, il disait, ben moi j'ai vendu un million de dollars, et hop, donc automatiquement, l'argent, en fin de compte, c'est pas ça. Sinon, ils seraient devenus agents immobiliers, ils seraient rentrés au statut de chien, ils seraient devenus autre chose, corrompus, ils seraient devenus députés, n'importe quoi. Par contre, ils aiment le pouvoir, c'est vrai, mais moi, ils aiment la gloire. Les amis, ils aiment la gloire. Et pour avoir la gloire, ils ont besoin de communiquer. Et moi, par exemple, j'habite Nice. Et j'habite Nice, et je me dis, ils vont m'oublier à Paris. Comme ils vont m'oublier à Paris, je vais déjà vous voir comme ça, vous les achetez, mais n'oubliez pas. Mais ce n'est pas pour l'argent, ce n'était pas assez cher. Mais quand vous parlez de ça, je pense à l'art brut, par exemple. Les artistes n'ont pas du tout pensé aux autres, à la communication, à même que les gens les voient un jour et que ça soit rendu. Il n'y a pas que les artistes mais c'est intéressant parce que. Oui, c'est la personnalité de l'ego. Mais il ne faut pas croire que les artistes d'adultes n'avaient pas un ego. Ils avaient un ego important. Comme les enfants, quand on leur demande de dessiner un petit dessin, ils disent que je ne comprends pas un bon dessin. Mais ici, il n'y a plus pas de temps. L'ego, il est chez l'adulte aussi, comme il est dans les arts contemporains, comme il est passé. L'ego, c'est la matière première de l'art. Et on le trouve dans l'art. Mais malheureusement, pas malheureusement, mais l'art, il est malgré lui. Et je dirais que ce combat, c'est pour moi, il n'a plus d'avis, dans la vie, il ne peut pas s'en comprendre. Il est, en fait, celui qui a des deux tempos, il pense. Voilà, donc là, je dirais, il pense malgré lui, et ce que moi, je ne sais pas, moi, je réfléchis longtemps, je me dis que je suis pas d'accord, je vais m'enlever, et je trouve un milieu.
Il y a des femmes qui ne peuvent pas qualifier de femmes. Et ça, c'est toujours dans la vie. Effectivement, c'est pas qu'elle se lâche, et puis ça, c'est une de la vie. C'est la personnalité, malgré tout. L'argent, Nathalie, Jérôme et Mère. Beaucoup de racines de Tristan Bacassi. Je dirais que je rappelle comment, au début des années 70, quand il est devenu, il a commencé à faire de l'art, lui et tous les gens qui se fréquentaient avaient le plus grand mépris pour les artistes qui vendaient. Hein, c'était en fait un extrêmement vulgaire de vouloir vendre. Pour eux, ce qui était important, c'était d'exister en tant qu'artiste, de faire des œuvres. Alors, c'est vrai qu'il y a une vieille antinomie, surtout en France, entre l'idée de l'art et l'idée de l'argent. Qui n'aide pas forcément les choses sur le plan commercial. Mais je crois qu'il faut prendre très au sérieux ce langage urbain qui est très important et très juste, c'est que le premier problème de l'artiste, c'est la reconnaissance. Et l'argent n'est pas un acteur de la reconnaissance. L'histoire d'Avant-Guerre à London a fait une distinction très intéressante entre les quatre cercles de reconnaissance en disant que le premier cercle de reconnaissance pour un artiste, c'est celui qui se perd les autres artistes. C'est ça qui compte, ça rapporte un sou. Ensuite, le deuxième cercle, on va y prendre le cas des arts plastiques, ce sont les conservateurs de musées, les critiques d'art, les commissaires d'exposition, qui vont parler et écrire sur l'univers, quelquefois ça ne rapporte à rien du tout, ça n'est pas un cercle marchand, c'est d'ailleurs des gens qui, en général, sont dans le secteur public, sont dans le secteur privé, donc il n'y a pas très peu d'enjeux économiques, mais c'est fondamental pour un artiste que d'avoir son œuvre exposée dans un grand musée ou faisant l'objet d'une grande critique par quelqu'un connu. Le troisième cercle, et celui des marchands et des collectionneurs. Là, il y a de l'argent, là, on est dans le monde du privé, mais ce n'est pas forcément le plus fondamental, à condition que l'artiste est choisi. Si le quatrième et dernier cercle, c'est le grand public, celui qui ne connaît pas grand-chose, et qui va mettre beaucoup de temps à reconnaître, et qui, à terme, peut-être appelle ça de l'argent, mais là encore, c'est tout à fait secondaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser à la commercialisation des œuvres, mais un des problèmes en France, c'est que c'est surtout de la reconnaissance, et très certainement occupé par des gens qui relèvent du domaine de la culture et du secteur public, et donc pour qui la dimension proprement commerciale n'est pas fondamentale. D'où effectivement les stratégies que peut faire l'idée de nos institutions pour valoriser leurs artistes à l'étranger. On parlait tout à l'heure des impressionnistes, je vous donne, je crois, de mémoire et d'éducation, les premiers musées français qui ont fait un tout à c'est une situation qui vivait en France depuis le début du XXe siècle, en gros. Ça, c'est le musée de Grenoble, ça date de 1937. Je ne m'étais pas vraiment rendu compte que tout à fait vivait en France jusqu'en 1937. C'est un conservateur qui est extrêmement avant-gardé. Voilà. Ça revient quand même à cette idée qui fonctionne dans le système français qui est bizarre, c'est-à-dire du patrimoine et d'un certain retard. Nous allons arriver, il nous reste 3 minutes, c'est extrêmement ponctuel. C'est d'une certaine façon pas du tout difficile de faire de l'argent. On avait fait très bien, je l'ai dit avec prétention, comment rentrer à 75% de la comédie française, mais qui fait un travail. Ça ne veut pas dire qu'on maîtrise, au contraire, on sait qu'on fait un travail sur soi-même, mais pas par des chemins faciles. Et si vous savez qu'on est là avec les petits 17 et les 17, je rentrerai plus facile pour un moment et le regard de vie sur sa ligne. Mais au fond, ce que l'on cherche, c'est ce qu'on ressent, c'est-à-dire d'être un peu visionnaire et que les choses bougent. Parce que sinon, si on ne se fait pas de cette dimension-là, on aurait pu de rajouter d'une certaine façon. D'ailleurs, quand on ouvre gratuitement la salle de la comédie française, le regard des gens qui viennent voir le spectacle n'est pas du tout le même que les gens qui payent leur place alors que nous sommes subventionnés par l'argent public. Le rapport contre le spectacle. Juste une seconde, la DPDA va essayer aussi d'être un peu dans l'innovation puisque, en fait, c'est une société privée avec des actionnaires, la DPDA, avec une convention, un contrat de délégation de service public de la ville de Paris. Donc on est vraiment dans une économie mixte qui est assez peu fréquente en France, donc on va vraiment poster ça aussi. Mmh.
Jérôme, qui souhaite bien évidemment beaucoup de succès à la Détélérée, Nathalie, Aïnus, et donc Myriam Maillot, par la Comédie française. Bonne journée.